Merci, Philippe, pour cet accueil chaleureux et pour ce beau partenariat sur lequel on travaille depuis bien des années. On est en train de livrer pour les Montréalais, pour les Québécois, pour tous les Canadiens. Et je suis vraiment content d'être ici avec toi aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être ici de retour à Montréal aux côtés du premier ministre Couillard et de la mairesse Plante pour cette annonce importante. Je tiens également à saluer notre député local, Nicolas Diorio. Est-ce que tu es Nicolas? Voilà, Nicolas. Ainsi que Pablo Rodriguez et Filomena Rotti-Rotti qui font d'excellents travail ici pour les gens de leur circonscription. Je veux aussi saluer d'autres députés fédéraux qui sont ici. Mark Miller, qui est notre secrétaire parlementaire pour l'infrastructure et député de Ville-Marie. Andrew Dillon, député de Dorval. Emmanuela Lambropoulos, députée de Saint-Laurent, et aussi deux autres amis, Thomas Mulcair, député d'Outremont, et Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île. Plaisir de vous voir ici aussi, messieurs. Je suis particulièrement heureux que vous ayez pu vous joindre à nous parce que ce projet de prolongement de la ligne bleue jusqu'à Anjou figure parmi les enjeux les plus importants pour les Montréalais qui habitent l'est de l'île. C'est quelque chose que j'entends souvent depuis le tout début de mon aventure politique, il y a presque 10 ans que ça a commencé dans Papineau. Et je peux vous dire, la ligne bleue, elle nous est chère dans Papineau. Je suis très fier d'avoir les 7 dernières stations actuelles sont dans mon comté de Papineau. Le pointillé, il y en a au moins un qui serait aussi dans Papineau quand on le continuera. Et on est très, très fiers. J'ai passé beaucoup de temps dans ces 7 stations de métro pendant mes élections. Puis je suis content d'en ajouter une 8e éventuellement si je suis encore autour. J'ai promis à Sophie qu'on y penserait. Certain aussi que c'est le cas pour tous nos amis députés ici, pour Philomena, Nicolas, Pablo et d'autres. Ça fait des années que la portion de l'île, l'Est, est sous-desservie par les réseaux de transport existants, sans compter que de plus en plus de familles choisissent maintenant de s'y installer. Des parents qui travaillent au centre-ville, des jeunes qui font leurs études dans l'une des nombreuses universités ou des centres de formation montréalais, des immigrants qui ont de la parenté dans d'autres quartiers de la ville. Il y a donc une demande encore plus forte qu'avant pour un transport en commun fiable, efficace et abordable, capable de mieux répondre aux besoins de tous, y compris des gens de la classe moyenne et tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Tous les ordres de gouvernement s'entendent sur la nécessité de mener à terme ce projet et d'améliorer la qualité de vie des résidents, en plus de faire de nos communautés des endroits plus verts. La modernisation des systèmes de transport en commun, comme le métro, est une étape essentielle que les grandes villes doivent franchir en vue de lutter efficacement contre les changements climatiques. Ce sont des priorités importantes pour mon gouvernement et pour mes homologues. Cela dit, nous devons préparer le terrain pour assurer la réussite de ce projet. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est fier d'investir 16 millions de dollars pour le développement du dossier d'affaires et la préparation de plans détaillés en vue du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Le dossier d'affaires permettra notamment de compléter le montage financier du projet et de lancer les travaux de construction. Avec la contribution du gouvernement du Québec, on parle de 32 millions de dollars pour la réalisation de cette étape clé du processus. Today's announcement is part of the federal government's commitment to make our communities even better places to call home. And we know that that starts with infrastructure. Once completed, the Blue Line extension will mean a faster commute, less time in traffic, and more money in people's pockets as they trade their cars for public transit. There's no doubt that the need for better, more efficient public transport is shared amongst communities, big and small, right across the country. Canadians need transit to get them to work on time in the morning and home for dinner at night. It's that simple. C'est pourquoi notre gouvernement a approuvé plus de 500 projets dans l'ensemble de la province depuis le début de son mandat, la contribution totale s'élevant à 1,7 milliard de dollars. Dans le Grand Montréal, ces projets incluent notamment la mise à niveau des systèmes de transport. Nous prévoyons également plus de 5 milliards de dollars supplémentaires destinés à la construction, l'expansion et l'amélioration des infrastructures de transport en commun, y compris l'ambitieux projet du réseau express métropolitain dans le cadre de la deuxième phase de l'entente.
Nous travaillons présentement avec le gouvernement provincial pour finaliser l'entente et lancer des projets. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail conjoint pour améliorer la qualité de vie des Montréalais et faire de nos communautés des endroits meilleurs.